بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولكم ولنا جميعا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم في هذا اليوم، يوم الأحد بعد صلاة العصر في مسجد طريق بن زياد رحمه الله، في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا في هذا البيت الذي نسأل الله أن يجعله مباركا، لأجل أن نطرح موضوعا من الأهمية بمكان، حيث أنه داء أصيب به كثير من الناس، إن لم أقول أكثر الناس. فنسأل الله السلامة والعافية، ألا وهو داء الوسوسة، فكثير من الناس أصيبوا بها فلم يعرفوا سبيل علاجها، ولم يعرفوا أسبابها ولا أنواعها، بسبب قبل كل شيء الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. Après avoir loué Allah تبارك وتعالى, je disais qu'en cette journée du dimanche 25 janvier ou 26 janvier 2014, nous allons, si Allah Azza wa Jal nous l'accorde et nous le permet, traiter un sujet qui est très important, car c'est un mal qui a atteint beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart des gens. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité aussi dans les hadiths. Et c'est ce qu'on appelle al-waswasa, wa jam'uha wasawis. Le pluriel, c'est wasawis. Et le sens de ce mot, al-waswasa, huwa ma yatakarraru fi dhihni l'insan, wa huwa sawtu shaytan, yatakarraru fi dhihni l'insan, fala yazalu shaytanu al-rajim, yuz'ijuhu, wa yut'ibuhu biha, ليثقل عليه عبادة الله وليثقل عليه الإيمان ويجعل الإيمان في نظره أثقل شيء وأشق شيء حتى يبعد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتكون نهايته دخول النار عياذا بالله. Et ce qu'on appelle الوسوسه, ce sont les insufflations qui viennent de Shaytan, des murmures, des paroles que le shaitan répète dans l'esprit de la personne et qui entrent dans sa poitrine, comme on va le voir. Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran. Et cette personne est dérangée par ces murmures, par ces paroles de shaitan. Et le but de ces paroles, c'est de lui faire abandonner la religion d'Allah Azza wa Jal à la fin. Et ces murmures qui viennent de shaitan ont plusieurs formes. Anwa'uha kathira. Et on va les citer, inshallah, azza wa jal. Wa sanadhkuru ba'dan minha, bi'idhnillah. Mais avant de les citer, aqra'u alaykum hadithan rawahu l'imam Muslim, rahimahullah. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté selon Anas ibn Malik, radiyallahu an, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. البروفيس صلى الله عليه وسلم أجي كان الله أكري فاسوني آدم dans le paradis, il l'a laissé autant de temps qu'il a voulu. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam
Et avant de lui insuffler l'âme, قبل أن تنفخ في آدم الروح, مر زمان, un temps est passé. Et pendant ce temps-là, Iblis est venu et il a regardé Adam et il est rentré dans son corps. Ensuite, il est sorti. Et quand il a vu le vide qu'il y avait dans sa poitrine, il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ou a donné vie à une créature qui ne pourra pas se retenir. Et un savant qui est l'Allama al-Munawi rahimahullah a expliqué ce hadith et a dit يعني لا يملك دفع الوسوسة عنه ولا يتقوى بعضه ببعض ولا يكون له قوة وثبات بل يكون متزلزل الأمر متغير الحال مضطرب القال معرضا للآفات والتمالك هو التماسك. Ce grand savant dit, en expliquant ce hadith, c'est-à-dire que le shaitan a vu que le fils d'Adam, que l'homme ne sera pas capable ou sera faible et il ne sera pas capable de repousser de lui la waswasa, le murmure du shaitan. Il n'arrivera pas à avoir de la force pour le repousser. Il manquera de fermeté. Il sera excité. Il sera déstabilisé. Et alors il sera sujet à tous les maux et tous les manquements. Donc, al-waswasa, c'est une parole de shaitan dans le but de te déranger dans ta prière, dans tes ablutions, fi salatika, fi wudu'ik, wa qabla kulli shay, fi imanika billah wa bi rusulih, azza wa jal, avant toute chose, dans ta foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ta foi au messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quel est le but de ça? Le but de ça, c'est que tu délaisses ta religion. C'est que tu vois ta religion comme une contrainte. Et quand Iblis a vu que l'homme était faible, لما رأى إبليس أنه أن الإنسان ضعيف علم أنه سيوسوس له وعلم أنه وأن أكثر الناس سيتبعونه قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إبليس a su que l'homme est faible et que la plupart des gens allaient le suivre. Allah Azza wa Jal a dit ce qui veut dire dans Surat Saba, et Iblis a confirmé ce qu'il a pensé des hommes. Beaucoup d'eux les ont suivis, sauf une partie parmi les croyants. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, dhakara fi hadhihi al-aya annahu al-waswasa. Ce grand savant, Al-Hasan, rahimahullah, a cité dans ce verset que ce qui est voulu, c'est al-waswasa. Que Iblis a vu que l'homme était faible et il a vu par quelle porte il allait entrer, alors il allait profiter de cette occasion pour égarer l'insan. Wal'iyadu billah. Illa anna Allah azza wa jal dhakara lana hatta la nay'as wa la naqnut annahu la sabila li shaytan ala alladhina kamula imanuhum وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى فلا سبيل للشيطان على المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran que le shaitan n'a aucune emprise sur les croyants, ceux qui sont fermes dans la foi, ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucune emprise sur eux. Allah azza wa jal a dit, donc après nous avoir cité que Shaitan c'est notre ennemi, inna Shaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa, le diable est votre ennemi, prenez-le comme tel. Allah azza wa jalla dit innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Il n'a aucune emprise sur ceux qui ont eu la foi et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Il n'a d'emprise que sur ceux qui l'ont pris comme allié et qui l'ont associé à Allah سبحانه وتعالى. فإبليس له قدرة على الذين يتولونه
والذين يتولونه هم الذين يقبلون وساوسه فينفذوها وفينفذونها ويطبقونها. Donc Iblis a une emprise sur ceux qui l'écoutent et qui mettent en pratique ces murmures. À ce moment-là, ils sont considérés comme des gens qui ont suivi à Shaytan. والعياذ بالله تبارك وتعالى. من الذي يبتلى بالوساوس؟ الجواب المقبل على الله عز وجل في غالب الأحوال. Qui est celui qui est touché par les wasawis? Dans la majorité des cas, ce sont les gens qui avancent dans leur religion. Ce sont les gens qui cherchent à être pieux. Car ce sont ces gens-là que Shaytan veut égarer. هؤلاء هم الذين يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Ce sont ceux que Shaytan veut égarer et éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكلما قوي إيمانك الشيطان ازداد حرصا على إضلالك. Plus ta foi augmente et grandit, plus Shaytan sera ton ennemi et cherchera à t'éloigner du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi on a dit un jour à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit: Ya Ibn Abbas, إن اليهود تزعم أنها لا توسوس لها في صلاتها ونحن يوسوس لنا في صلاتنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ لماذا لا يوسوس في صلاة اليهود؟ لأنها صلاة مردودة. فهو حريص على أن يوسوس في الأمر الذي حري بالقبول حتى لا يقبل. On a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma: Ô Ibn Abbas, les juifs prétendent que nous sommes perturbés dans notre prière, qu'on a des murmures, qu'on est dérangés, afin qu'on perde la concentration. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: Que voulez-vous que fasse un shaitan d'une maison détruite? C'est-à-dire que ces gens sont venus lui dire: Ô Ibn Abbas, ils disent que nous sommes dérangés dans leurs prières alors qu'eux sont recueillis. Khashi'un. Ils sont recueillis dans leurs prières. Ibn Abbas a dit: Que voulez-vous que Shaytan fasse avec une maison qui est détruite? Pourquoi? Le voleur ne va pas rentrer dans la maison qui est détruite. Il va rentrer dans la maison où il y a quelque chose à prendre. Que voulez-vous qu'il aille faire avec une prière qui n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il va donc aller voir celui dont la prière peut être accepté, qui est le croyant. Et plus ta foi augmente, plus le shaitan va essayer de te perturber avec les wasawis. Savez-vous qui est le premier qui a reçu les wasawis? Adam alayhi salam. Adam, le premier qui a reçu les wasawis de shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ce qui veut dire, et nous dîmes: Ô Adam, rentre au paradis avec ton épouse et mangez de ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre, alors vous feriez partie des injustes. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Donc الشيطان à ce moment-là, quand Adam était au paradis avec sa femme Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'autorisation de tout prendre sauf un arbre. Al-Shaytan est venu et lui a fait al-waswasa. Il lui a murmuré que Allah lui a interdit de manger cet arbre parce que s'il en mange de cet arbre, il sera soit un ange ou alors il vivra éternellement. Ensuite, il leur a juré par Allah qu'il est un conseiller pour eux. فَأَوَّلُ مَنْ وُسْوِسَ إِلَيْهِ Adam. Le premier qui a reçu la waswasa, c'est Adam. وَبِسَبَبِ هَذِهِ الْوَسْوَسَ عَصَى اللَّهُ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.
فسباب خروج سباب خروج الإنسان من الجنة وسوسة الشيطان. هذا يبين لك خطرها. Donc le premier qui l'a reçu c'est Adam. Adam a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette waswasa et il est sorti du paradis. La raison pour laquelle l'homme est sorti du paradis, c'est le suivi de Shaitan dans sa waswasa. Allah Azza wa Jalla a dit ce qui veut dire, et Adam a désobéi à son Seigneur, il s'est égaré. Thumma taballahu alayhi salam. Puis Allah a accueilli son repentir et lui a pardonné alayhi salam. من أين تأتي مصيبة الوسوسة؟ من أين يكون من وسوس إليه أو وسوس إليه الشيطان؟ من أين يكون مذموما؟ من أي جهة؟ من جهة طاعته للشيطان واتباعه للوسوسة، وإلا فلا ذم عليه ما دام أنه يكره ما دخل صدره من الوسوسة. Quand est-ce que l'individu est blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce qu'il est blâmé? Quand il reçoit ses wasawis, ses murmures de shaitan. Il est blâmé par Allah azza wa jal quand il les met en pratique et quand il les suit. C'est à ce moment-là qu'il est blâmé. Sinon, il n'est pas dans le péché à cause de ce qui est rentré dans sa poitrine, dans son esprit, toutes ses imaginations. Il n'est pas dans le péché tant qu'il ne les met pas en pratique. Et comme on va le voir إن شاء الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah a levé la charge de ma communauté, c'est-à-dire il a levé le péché de ma communauté concernant ce qui traverse leur esprit tant qu'ils ne le mettent pas en pratique ni n'en parlent. فَمَا جَاءَكَ أَوْ دَخَلَ صَدْرَكَ وَفِكْرَكَ مِنَ الْأَفْكَارِ السَّيِّئَةِ لَا تَكُونُ آثِمًا بِهَا مَا دُمْتَ لَا تَعْمَلُ بِهَا وَلَا تُطَبِّقُهَا وَلَا تَقُولُ بِهَا وَلَا تَنْشُرُهَا وَإِنَّمَا تَكُونُ آثِمًا إِذَا عَمِلْتَ بِهَا وَنَشَرْتَهَا وَقُمْتَ بِهَا. Tu es pécheur au moment où tu mets en pratique ces idées que le shaitan te met dans ton esprit. Tant que tu ne les mets pas en pratique, tant que tu n'en parles pas, tu n'es pas dans le péché et tu n'as pas à être blâmé. Et pourquoi on parle de cela? Parce que beaucoup de gens sont touchés par le wasawis et pensent qu'ils sont dans le péché. كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ وَاقِعْ فِي إِثْمٍ وأن الله لن يغفر له وأن الله لن يرحمه وهذا غلط. Il pense qu'Allah ne les pardonnera pas. Il pense qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas leurs péchés. Et cela est une erreur. Allah Azza wa Jal ne te châtie pas tant que tu ne mets pas en pratique ce qui passe dans ton esprit, ce qui traverse ton esprit. Il y a certaines personnes à cause des wasawis qui se font du mal. بعض الناس بسبب الوساوس يضرون بأبدانهم يضرون بصحتهم يضرون بحياتهم بأوقاتهم بكل شيء. Beaucoup de gens se font du mal à cause des wasawis. Ils se font du mal dans leur corps. Ils se font du mal dans leur santé. Ils se font du mal en perdant leur temps. Ils se font du mal dans leur vie. Comme on va voir des exemples Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre très important. Il l'a appelé Dhammu al-Waswasa. Et dans ce livre, c'est-à-dire le blâme de la waswasa, et dans ce livre, il a parlé de ces gens qui sont touchés par le waswasa. Il a parlé du remède. تكلم عن علاج الوساوس وأسبابها فنقرأ فقرة من هذا الكتاب. Nous allons lire un passage de ce livre car il est très important. Il dit رحمه الله فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم
وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله تعالى بالمحبة والمغفرة والإحسان. Celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et ses actes se trouvera dans le chemin droit d'Allah azza wa jal et fera partie de ceux qu'Allah a aimés et dont il a pardonné les péchés. Quant à celui qui refuse de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actions, il aura alors suivi al-shaytan et il n'entrera pas dans le groupe de gens qu'Allah azza wa jal a aimés et a pardonné. Pourquoi est-ce qu'il nous cite cette introduction ? لماذا يذكر لنا هذه المقدمة ليبين لنا أن من طبق الوساوس خرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pour nous dire que celui qui met en pratique ces wasawis, سواء كانت في صلاته فيخرج منها ويعود ويخرج ويعود أو في وضوئه فيكرر الوضوء أكثر من ثلاث مرات إلى غيرها فإنه خرج عن السنة. Pour nous dire que celui qui refuse de suivre la sunna et qui rajoute, par exemple, celui qui est touché par les wasawis dans sa prière, il sort de cette prière, il la recommence, il sort, il recommence, il sort, il recommence, il fait pareil avec les ablutions, il aura désobéi à Allah Azza wa Jal et ce qu'il a fait est mauvais. ثم إن طائفة من الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. Il y a parmi les gens certains qui sont touchés par al-waswasa, par les murmures de Shaytan, et c'est eux qu'on appelle al-muwaswasun, ceux qui sont touchés par les murmures de Shaytan. Ils ont été touchés par ces murmures à un point tel qu'ils ont obéi à Shaytan. حتى تصفوا بها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت لأحدهم لماذا تعمل هذه الأعمال؟ يقول لك أعذرني فإنني موسوس. فهو تصف بها، وصف نفسه بها، وهذا شيء مذموم. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? Pour nous dire qu'il y a parmi les gens certains qui, quand on leur pose la question, pourquoi est-ce que tu recommences ta prière? Pourquoi est-ce que tu recommences tes ablutions? Pourquoi est-ce que tu as un doute dans ton iman, dans ta foi? Il te répond, pardonne-moi, excuse-moi, mais je suis touché par l'waswasa. Donc, yaqbalu an yasifa nafsahu bilwaswasa. Hadha madhmum. Il accepte de se décrire comme étant quelqu'un touché et qui a accepté de suivre l'waswasa. Et c'est une chose blâmée par Allah, Azza wa Jal. À un point où ils ont délaissé la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et se sont détournés. حتى إن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته إن وضوءه باطل وصلاته غير صحيحة. Un point où l'un d'entre eux pense que s'il prie comme le prophète صلى الله عليه وسلم, s'il accomplit ses ablutions comme le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah n'acceptera pas sa prière. Il n'acceptera pas ses ablutions. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a mal fait et qu'il doit recommencer une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Il pense qu'il doit recommencer takbiratul ihram, le premier takbir de la prière. Et en faisant ça, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré cet acte? هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال؟ الجواب لا. فمن عملها فهو غير مقبول العمل. Donc celui qui fait ses actes, ils ne seront pas acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويرى انه اذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكله الصبيان او كل طعام او اكل طعام انه قد صار نجسا يجب عليه تسبيغ يده وفيه. لأن الصبيان يلعبون أحيانا بالتراب فهو يظن أنه إذا لعب مع الصبيان فيصيبه شيء من النجاسة فيجب عليه الغسل وما شبه ذلك.
Il dit, certains d'entre eux pensent que s'ils font la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il jouait avec les enfants et quand il donnait à manger à leurs enfants, aux enfants, il devra recommencer ses ablutions, il devra se nettoyer parce qu'il a été impur. Pourquoi ? Il dit, les enfants jouent avec la terre, les enfants jouent avec des choses qui sont sales, et si moi je les touche, je suis touché par najasa, l'impureté, alors je dois me nettoyer. Et ça, c'est une chose qui n'est pas légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de choses encore. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوا إلى شبيه بالجنون. Ensuite, il dit que ces gens-là ont tellement suivi ces wasawis qu'ils sont semblables à des gens qui sont touchés par la folie, des gens qui ont perdu la raison. Par exemple, il y a des gens qui entrent dans l'endroit des ablutions. يدخل بيت المياه ليتوضأ يخرج منه بعد ساعة أو ساعتين لماذا يكرر الوضوء ويعيد الوضوء ويكرر الوضوء ظنا منه أن وضوءه الأول لا يصلح لأنه أصاب بدنه شيء من النجاسة أو غير ذلك فمنهم من يقضي حاجته ويقفز قفزات في الحمام من أجل أن ينزل ما تبقى من البول ومنهم من يقضي ليلا كاملا في الحمام ليلا كاملا وهو يغسل بدنه فيخرج في الصباح في غاية من الإرهاق والتعب كل هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأن دين الله دين يسر وليس دين مشقة. Il y a des gens qui vont se purifier pour la salat, pour la prière. Et quand ils entrent dans la salle de bain, ils en sortent une heure après, deux heures après. Il y a des gens qui passent une nuit entière dans la salle de bain. Et voilà, c'est une réalité. Il y a des gens qui passent des heures et des heures dans l'endroit où on accomplit les besoins. Certains parmi eux sautent sur les talons afin que ce qui reste d'urine tombe. منهم من يدخل في قضيبه شيئا من الخيوط وما شبه ذلك لينظر هل يبقى شيء من البول. Il y a parmi les gens des gens qui font entrer dans leur partie intime des morceaux de mouchoir, des morceaux de tissu pour voir s'il reste de l'urine, pour voir s'il reste de l'impureté. والعياذ بالله. Et toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les déteste. Et ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a bien pire que ça. قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ أَعْظَمَ الْوَسَاوِسَ الْوَسَاوِسَ فِي الْإِيمَانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Les pires des wasawis, des insufflations de shaitan, sont les insufflations dans la croyance, dans la foi. فَتَجِدُوا الْإِنسَانِ يَسْأَلْ سُؤَالًا فِي دِينِ ثُمَّ إِذَا أُجِيب زَادَ سُؤَالًا فَأُجِيب فَزَادَ سُؤَالًا فَأُجِيب فَزَادَ سُؤَالًا حَتَّى يَصِلَ إِلَى السُؤَالِ مَنْ خَلَقَ اللَّهِ وَهَلْ وُجُودُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حق وَهَلْ كتاب الله هو كلام الله حق ولماذا كذا ولماذا كذا فيشك ويشك ويشك فيترك الإيمان بالله عز وجل ويكفر والعياذ بالله وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لن يبرح الناس يتساءلون حتى أي لا يزالون يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله انظر الوسوسة وإذا قال من خلق الله اعتقد أن الله مخلوق وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi les pires des wasawis, des insufflations de shaitan, celle dans la croyance et dans la foi.
les gens qui sont touchés par le doute quant à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le doute quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la cause de ces wasawis, c'est l'abus de questions, des questions inutiles, as'ila ghayr nafi'a. Ils posent des questions qui sont inutiles. Et ils posent des questions, ils continuent jusqu'à la fin, ne plus avoir de questions, et alors dire qui a créé Allah ? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal est vraiment, existe vraiment ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik chez Al-Bukhari. Il dit, les gens ne cessent de s'interroger jusqu'à ce qu'ils diront, voici Allah le créateur de toutes choses. Mais qui est-ce qui a créé Allah ? Wal'iyadu billah. Et quand la personne va poser cette question, elle va croire qu'Allah est créé. Et croire qu'Allah est créé est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Wal'iyadu billah. Minhum man yashukku fi wa'dillah. Certains doutent de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yatruk ad-du'a. Et alors il délaisse les invocations. Limadha? لأنه يستعجل يريد أن تكون الإجابة الاستجابة في أسرع وقت والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل ما لم يعجل ما العجل أن يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي خفاص صلى الله عليه وسلم جي Allah ne cesse de répondre à l'invocation de son serviteur tant qu'il ne s'empresse pas. Les compagnons ont dit, comment il s'empresse au messager d'Allah ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, j'ai invoqué, j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Et alors il délaisse l'invocation. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que cet homme-là, الذي يدعو الله ويعجل ثم يترك الدعاء كالذي يزرع عليه أن يصبر حتى يرى الثمرات يزرع فإذا لم يرى النباتات ينقلب ينصرف وإذا انصرف كانت النباتات قد أتت لكنه يتركها فتموت. Il dit que cet homme-là est à l'image de celui qui plante des graines. Il coupe les mauvaises herbes, il arrose la terre. Il se fatigue, il ne voit rien. Alors, comme il n'a pas de patience, il fait demi-tour et il s'en va. Au moment où il fait demi-tour et il s'en va, les plantes commençaient à pousser. Mais comme il est parti, elles vont mourir parce qu'il ne les arrose plus. Donc, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas douter de la promesse d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Minhum man yashukku fi rusulillah. Certains doutent des messagers d'Allah. Minhum man yaqulu wa limadha أحب الله رسوله عليه الصلاة والسلام ولماذا جعله عربيا ولماذا أرسله في مكة ولماذا Donc il pose des questions et dit, mais pourquoi Allah Azza wa Jal a préféré Muhammad? Pourquoi il en a fait un arabe? Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé à la Mecque? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas légiféré sa religion dans une autre langue? Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas. Wal'iyadu billah. Et il y a des gens qui sont touchés par al-wasawis dans leur prière, dans le takbir. Au lieu de se contenter de dire Allahu Akbar, badala an yaktafiya bi qawlihi Allahu Akbar, yadhunnu anna nutqahu bil huruf la yuqbal wa huwa ghayru sahih. يظن هذا فيكرر فتسمعه وهو جنبك الله أكبر هل أنت تسمعون هذا؟ Vous n'entendez pas ça des fois? Tu vois une personne qui vient dans la salat et qui pense qu'elle prononce mal. Il pense qu'elle prononce mal les lettres. Alors elle entre dans la prière et au lieu de se contenter de dire une fois Allahu Akbar, elle répète. Elle répète les lettres comme si qu'il fallait faire un combat ou mener un combat pour prononcer Allahu Akbar. Minhum man yashuk fi niyyatihi fi salah. Fa yaqulu lastu bi mukhlis fa yakhruj min as-salah.
ويعود إلى الصلاة ويكبر ثم يقول لا أنا ما نويت يخرج ويدخل يخرج ويدخل. Certains sortent de leur prière car ils disent je n'ai pas eu l'intention de prier. Ils sortent de la prière et ils recommencent. Ils sortent, ils recommencent. Ils sortent, ils recommencent. وَيَتَعِبُ نَفْسَهُ وَيُفْقِلُ عَلَيْهَا وَيَشُقُ عَلَيْهَا مَشَقَّةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فما هي النتيجة؟ ترك العمل. Quel va être le résultat de cette contrainte, de cette difficulté? Quel va être le résultat? Il va arrêter de prier. Il va arrêter la salat. Il va arrêter al-wudu. Il va arrêter les adorations d'Allah. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فإذا تمكن منه الشيطان لا يتركه يزداد له وساوس فيقول أنت خذلك الله أنت الله لا يحبك ولذلك تركت الصلاة ولذلك ما وفقت في الصلاة فأنت من أهل النار فيبدأ يشك في رحمة الله سبحانه وتعالى ويقنط من رحمة الله ثم يقول له الشيطان هذا أصيب به كثير من الناس ليس بخيال ثم يقول له الشيطان أنت الحياة لا تنفعك اقتل نفسك فوالله يقتل نفسه وأكثر من قتلوا أنفسهم أصيبوا بالوساوس. Et ensuite le shaitan vient et lui dit Allah ne t'aime pas, c'est pour ça que tu as mal prié, c'est pour ça que ta prière a été mal faite. Allah ne t'aime pas, c'est pour ça qu'il ne t'a pas guidé et tu as arrêté la prière. Allah ne va pas te faire miséricorde. Il commence à douter de la miséricorde d'Allah. Et douter de la miséricorde d'Allah, c'est de la mécréance. Ensuite, le shaitan ne le laisse pas. Il continue et il lui dit, en fait, Allah ne t'a jamais aimé. Ta vie est inutile. Qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Et par Allah, la plupart des gens, et on peut même dire que tous les gens qui se suicident et qui ôtent leur vie, ils le font parce qu'ils ont été touchés par les wasawis de Shaytan. Wal'iyadu billah. Fa hadhihi al-musiba, musibatun azima. Ce mal et ce fléau est un fléau très grave qui a touché beaucoup de gens. Fa ba'dhu an-nas dhannu annahu la khalas wa la faraj. Des gens ont pensé qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La halla li hadhihi al-mushkila. Ils ont dit, je n'arrive pas à m'en sortir. Min an-nas man usiba bil wasawis fayadhunnuna an annahum dakhala fihim ash-shaytan min ash-shayatin. Fayaqulu ana maskun wa laysa fihi shay. Fa idha qara'a alayhi qari ruqya sarakha wa rafa'a sawta. وفعل وكأنه مسكون وليس بشيء وما فيه شيء وإنما الوساوس. Il y a certaines personnes qui sont touchées par le wasawis à un point où elles sont convaincues d'être hantées, d'être habitées par un diable, parmi les diables. Et alors quand on lui fait ruqya ou quand quelqu'un lui récite le Coran, tu vois cette personne pousser des cris et des fois faire la voix d'un shaitan. Et tu entends une voix qui dit « Je ne sors pas, lan akhruj, wa ka'anna al-jinni huwa alladhi yatakallam, wa laysa kadhalik, innama al-waswasa. » Alors qu'en fait, ce n'est que le waswasa. La personne n'a rien du tout. Al-wasawis wasi'a, anwa'uha kathiratun jidda. Ces formes sont très nombreuses. Minhum man yusabu fil wasawis fi ittihami kulli ahad annahu yuridu bihi sharr. Certains sont touchés par les murmures de Shaitan, par ses insufflations, à un point où ils croient que tout le monde leur veut du mal. Fatara yanfaridu wa ya'ishu munfaridan ya'ishu wahda la yukhalitu an-nas li'annahu yadhunnu anna jami'a an-nas yuhibbunahu wa yuriduna bihi ash-sharr wal'iyadu billah fayattahimu an-nas fi niyyatihim. Tu vois certains d'entre eux qui pensent que tout le monde leur veut du mal. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent seuls. Ils ne fréquentent personne. Peut-être même qu'ils ne se marient pas. لا يتزوجون. Et ils vivent seuls. Et ils continuent à vivre comme ça dans ce malheur. والعياذ بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui se mêle aux gens, qui fréquente les gens, qui patiente sur leurs nuisances, est meilleur que celui qui ne fréquente pas les gens et qui ne patiente pas sur leurs nuisances. L'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit: وكل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولا من وسوسته ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده بالغوص في الماء البارد تارة بكثرة استعماله وإطالة العرق مبالغة وربما فتح عينيه في الماء وغسل داخلهما حتى يضر بصره وربما أفضى إلى كشف عورته للناس وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئون به يستهزئ به من يراه. Ibn Qudama رحمه الله parle de ces gens qui sont touchés par le wasawis et qui les suivent. Il dit que c'est de l'exagération de leur part. Ils écoutent les murmures de Shaitan, les insufflations, et ils obéissent à Shaitan, wal'iyadu billah, à un point où ils se font du mal. فَتُصْبِحُ صَلَاتُهُمْ أَلَّتِي هِيَ فِي الْأَصْلِ قُرَّةُ الْعَيْنِ أَشَّقَّ الْأُمُورِ وَتُصْبِحُ فِي حَقِّهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et la prière qui à la base pour eux devait être la meilleure des choses, qui procure le plaisir du cœur, la réjouissance de l'esprit, devient un châtiment, devient une contrainte, devient une chose difficile. Wal'iyadu billah. Et alors ils se font du mal, ils plongent dans l'eau pour se nettoyer, ils ouvrent leurs yeux et font entrer leurs yeux au fond de l'eau et entre leurs doigts pour les frotter pour être sûr qu'il n'y a plus d'impureté. Wal'iyadu billah. À un point où si les enfants voyaient ces gens-là, ils se moqueraient d'eux. Et il dirait de ces gens-là qu'ils ont perdu la raison et que la folie les a touchés. Wal'iyadu billah. وَيَشْغَلُهُ بِوَسْوَسَتِهِ فِي النِّيَّةِ حَتَّى تَفُوتَهُ تَكْبِيرَةُ الْأُولَى. Et certains parmi les gens sont touchés par le wasawis dans l'intention jusqu'à ce qu'ils perdent la récompense du premier takbir de la prière. Il vient dans les rangs à la mosquée, les gens sont rentrés dans la prière et lui lève les mains. Il veut prononcer Allahu Akbar, il dit non, je n'ai pas mis la bonne intention. Alors il recommence, il lève les mains. فَكَأَنَّ النِّيَّةَ شَيْءٌ يَسْتَخْرِجُهُ مِنْ قَاعَ مِنْ يعني. Donc comme si que l'intention était une chose qu'elle allait chercher au fond de l'eau, au fond de la terre, une chose qui est impossible à trouver. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَرُبَّمَا فَوَّتَ عَلَيْهِ رَكَعَةً ou akthar. Peut-être que Shaitan le touche par le wasawis dans sa prière jusqu'à ce qu'il rate une raka'a, jusqu'à ce qu'il rate deux raka'a. Wa rubbama fawata alayhi al-waqt. Peut-être qu'il va même rater la prière et va sortir du temps de la prière à cause de l'waswas. Wa minhum man yahlifu ala nafsihi la thannait wa la zid wa yakdhib. La thannait ay la azid ala ithnain ou marratayn fi al-wudu. يقول اتوضا مره ولا ازيد ثم يكذب يعود ويزيد. Et donc parmi ces gens-là, certains jurent par Allah, ils disent wallahi je ne rajoute rien, je fais l'eau deux fois et je ne rajoute rien, et il ment, il recommence. Certains rentrent dans la prière et disent wallahi j'entre dans la prière une seule fois avec un takbir et je n'en ressors pas, et il recommence. Et il recommence, et il recommence, et il se fait du mal. ومنهم من يتوسوس في إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين أو ثلاثة. Certains parmi les gens ont ces insufflations dans les lettres qu'ils prononcent jusqu'à ce qu'ils répètent la même lettre deux fois ou trois fois. ورأيت منهم من يقول أك أك أكبر وقال لإنسان قد عجزت عن قول السلام عليكم فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت ونحو هذا وأصنافهم كثيرة.
Il dit, un jour une personne est venue le voir et lui dit, je n'arrive pas à dire assalamu alaykum. Cette personne était touchée par l'wasawis et elle a bien prononcé le taslim, assalamu alaykum. Mais comme elle est touchée par ses doutes, elle croit qu'elle ne l'a pas bien prononcé. فما طريقة العلاج هذا تعالج به من أصيب بالوساوس فلا تكثر الكلام معه لأنه يسترسل في الوساوس قل له كلمة يسيرة قل له عملك صحيح اترك الوسوسة اكتفي بهذا لا تسترسل في الكلام فيسترسل في الوساوس ابن قدامة lui a dit ce que tu viens de dire et tu seras reposé. Et on voit la manière de conseiller les gens qui sont touchés par l'wasawis. Il ne faut pas étaler la parole avec eux, il ne faut pas trop parler. Car plus tu parles avec eux, plus le doute les atteint. Il faut leur dire, ton acte est bon. Et ce que tu fais en plus est une chose mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas demandé de faire ça. وَقَدْ بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْهُمْ إِلَىٰ أَنْ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وأخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفى وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Il dit, certains sont arrivés à un niveau dans les wasawis tel que le shaitan les a châtiés dans ce bas monde. والعياذ بالله. Il les a fait sortir de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait d'eux des gens qui commettent des excès dans la religion d'Allah en pensant faire le bien. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Donc, al-kalamu ala hadha tawil. La parole sur le wasawis est une parole qui est longue. Al-wasawis laha asbab. Cette maladie a des causes. Wa bila shak, inna a'azama asbab. الإصابة بالوساوس الجهل بأسماء الله وصفاته فمن يعني لماذا أيس المرء من رحمة الله عز وجل لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف أنه أرحم بنا من الأم بولدها فجهله بصفة الرحمة وبكون الله عز وجل أرحم الراحمين جعله يقنط من رحمة الله سبحانه. Quelles sont les causes de cette maladie? Elles sont très nombreuses. Et sans le moindre doute, la plus grande cause, c'est l'ignorance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus particulièrement, l'ignorance des noms d'Allah et de ses attributs azza wa jal. Tu ne vois pas quelqu'un qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala touché par le wasawis. La tara ahadan ya'rifu Allah bi asma'ihi wa sifatihi ويعرف الإيمان ومقتضى الإيمان يصاب بالوساوس. Tu ne vois pas une telle personne touchée par cette maladie. Pourquoi? لأن له من العلم ما يدفع عنه هذه الوساوس. Car il a une science qui repousse cette maladie. Par exemple, celui qui a désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines personnes, et je vous parle de faits réels, je vous parle de choses qu'on a entendues. Il y a certaines personnes qui commettent des péchés. Qui commettent des péchés et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس يقعون في ذنب من الذنوب ثم يقنطون من رحمة الله يقولون إن الله لن يغفر لي. Ils tombent dans des péchés, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser et alors le désespoir commence à les atteindre. Et ils disent, Allah ne va pas me pardonner. Si je n'arrive pas à arrêter ce péché, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu mon bien. Donc, Allah ne m'a pas aimé. Si Allah ne m'aime pas, alors il ne va pas me pardonner. Et alors il continue dans ses idées. Il se laisse faire par le shaitan. Il suit ses idées jusqu'à ce qu'il arrive à dire « Allah ne va pas me pardonner ». Je ne suis plus un croyant, je mérite l'enfer, je n'ai plus envie de vivre. Wal'iyadu billah. Et à ce moment-là, elle est tombée dans ce qui est blâmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna waqa'a fima dhammahu Allah wa dhammahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit que si ces gens-là, il dit ثم ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ما كان فيهم وسوس. Et sachez qu'il n'y avait pas chez le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons des gens qui suivaient ses idées. يعني الوساوس كانت تأتيهم. لكن لا يسمى المرء موسوسا حتى يعمل بها. فهم كانت تأتيهم ولكنهم لا يعملون بها. فما كان فيهم وسوس. Il n'y avait pas parmi les compagnons des gens touchés par cette maladie. Ces idées arrivaient dans leurs esprits, mais ils les repoussaient. Ils ne les mettaient pas en pratique. وَلَوْ كَانَتِ الْوَسْوَسَةُ فَضِيلًا لَمَدْ دَخَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولِهِ وَصَحَابَتِهِ. Si ce problème, cette maladie était un bien, Allah Azza wa Jal l'aurait donné à son prophète et à ses compagnons. رَضِيَ anhum, خَيْرِ الْخَلْقِ وَأَفْضَلِهِمْ, qui sont les meilleurs des créatures. ثُمَّ يَقُولُ كَلَامًا مُهِمًّا جِدًّا. Ensuite, il dit une parole très importante. وَلَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَسْوَسِينَ لَمَقَتَهُمْ وَلَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرَ لَضَرَبَهُمْ وَعَزَّرَهُمْ وَلَوْ أَدْرَكَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَبَدَّعَهُمْ وَكَرِهَهُمْ. وها انا اذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسره الله الى اخر ما قال. Il dit une parole que toute personne touchée par le wasawis doit garder à l'esprit. Il dit: si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute bien ça, toi qui es touché par cette maladie, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu ces gens qui suivent ces idées qui traversent leur esprit, il les aurait détestés. Si Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait rencontré ces gens-là qui suivent ces idées qui traversent leur esprit, il les aurait frappés et punis. Si un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré une de ces personnes qui suivent ces idées qui traversent leur esprit, il l'aurait taxé d'innovateur et il les aurait détestés. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mettre en pratique cette parole, nous disons à cette personne qui recommence la prière à chaque fois, à cette personne qui recommence al-wudu et qui fait ça par peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette prière, nous disons: si vraiment tu veux qu'Allah accepte ta prière, si vraiment tu veux qu'Allah accepte ta prière, abandonne al-wasawis, abandonne ce murmure, cette insufflation de shaitan. Iktafi bi takbiratin wahida. Iktafi bi nutqika lil huruf. Suffis-toi, contente-toi de prononcer une fois Allahu Akbar. Contente-toi des ablutions une, deux ou trois fois, comme cela fait partie de la sunna. Si tu rajoutes à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait détesté toi s'il t'avait vu. Omar t'aurait frappé, les compagnons auraient dit que tu es un innovateur. Subhanallah. Si tu entends une telle parole, vas-tu continuer? Toi qui crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner, toi qui crois qu'Allah ne t'aime pas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait vu, il t'aurait détesté. Si Omar t'avait vu, il t'aurait frappé. Si les compagnons t'avaient vu, ils auraient dit de toi que tu es un innovateur. Est-ce que tu vas continuer à suivre ça? Est-ce que tu vas continuer à dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me pardonner, Allah ne m'aime pas, Allah ne me guide pas? Subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu tombes dans ces idées que tu es blâmable. C'est quand tu suis ces idées que tu risques le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première cause, l'ignorance des noms et attributs d'Allah. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا فَضْلُ الْعِلْمِ وَأَهَمِّيَّةُ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. À partir de là, on voit l'importance de la science et le besoin qu'on a de la science. Car pour la plupart des cas, les gens qui sont touchés par le wasawis sont des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent que très peu de la religion d'Allah, pour ne pas dire rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième cause, السبب الثاني أن الشياطين ترانا ونحن لا نراها فهم يستغلون هذه الفرصة لهم. Deuxièmement,
les diables nous voient et nous ne les voyons pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum » Il vous voit, lui et sa tribu, et vous, il vous voit, c'est-à-dire Iblis, vous voit avec sa tribu, d'où vous ne le voyez pas. Donc il profite de cette occasion. Il profite du fait qu'il nous voit et que nous ne les voyons pas pour nous perturber. Thalithan, kathrat al-shubuhat wa shahawat. كثرت المعاصي واتباع الشهوات والشبهات. L'apparition et l'augmentation des péchés, des passions qui sont suivies, ainsi que des ambiguïtés dans la croyance. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. Il dit que la cause de l'apparition de cette maladie, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. وهذا يتعلق بالجهل أو يترتب عليه أو يترتب على الجهل كثرة الشبهات. شبهات سببها الجهل. Les ambiguïtés. Pourquoi ? À cause de l'ignorance. Deuxièmement, الشهوات, les passions, qui sont les péchés. Et le fait que les cœurs sont accrochés à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. وَلَمَّا عَلَّقَ النَّاسُ قُلُوبَهُمْ بِالدُّنْيَا وَبِغَيْرِ اللَّهِ أُصِيبُوا بِالْوَسَاوِسِ لِأَنَّ الْقَلْبَ الَّذِي هُوَ مَلِيءٌ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ لَا مَكَانَ لِلْوَسَاوِسِ فِيهِ والقلب الفارغ عن الله والدار الآخرة والإيمان هو مكان يسكنه أو تسكنه الوساوس. Le cœur qui est vide de la connaissance d'Allah, qui est vide de l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui est vide de tout ça, est la place que va occuper les murmures de la murmure ou l'insufflation de Shaytan. Wal'iyadu billah. Troisièmement, ou quatrièmement, raflatul qalbi an dhikrillahi ta'ala. L'insouciance du cœur quant au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. خنس أي اختفى بعد الظهور. ومنه فلا أقسم بالخنس وهي النجوم التي تختفي في النهار بعد ظهورها في الليل فإذا ذكر الله خنس أي اختفى وإذا غفل وسوس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaytan est aux aguets, au cœur, sur le cœur du fils d'Adam. Le shaytan, il est à côté de ton cœur pour te déranger et il attend. Quand le fils d'Adam évoque Allah, le shaytan fuit et se cache. Quand le fils d'Adam est insouciant, il oublie le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le shaytan vient avec ses insufflations et le perturbe. قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Allah عز وجل dit ce qui veut dire, et celui qui s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignerons un diable et il sera son compagnon. Celui qui délaisse le rappel d'Allah عز وجل, Allah mettra un shaytan à côté de lui qui le dérangera et qui le perturbera. Donc cette personne qui refuse de fréquenter les gens et qui vit tout seul, est-ce que vous pensez qu'elle est concernée par ce verset? La réponse, na'am. Alladhi yanfaridu wa la yukhalitu an-nas wa yaqulu yattahimu an-nas jami'an wa yaqnatu min rahmatillah azza wa jalla dakhilun fi hadhihi al-aya bila shak. Il rentre dans ce verset sans le moindre doute. Cinquièmement, الوساوس امتحان من الله سبحانه وتعالى يبتلي بها العباد ليرى الصادق منهم من الكاذب. C'est une épreuve d'Allah سبحانه وتعالى pour voir qui est véridique dans la foi et pour voir qui est un menteur dans la foi. فالله عز وجل يبتلينا بأنواع الابتلاءات ومنها الوساوس فمن صبر ودفعها عن نفسه فهو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. Celui qui repousse ses wasawis,
aura reçu l'aide d'Allah Azza wa Jal. Sixièmement, al-abathu bil-ins. Al-shayatin ta'abathu bil-insan wa tuz'ijuhum wa tal'abu bil-insan. Le fait que les diables jouent avec l'homme et le délaissent, et le dérangent, pardon. Ils font ça juste pour s'amuser et pour voir qui sont les faibles parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: وَتَارَةً يَكُونُ بِطَرِيقِ الْعَبَثِ بِهِ كَمَا يَعْبَثُ سُفَهَاءُ الْإِنْسِ بِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ. Il dit que des fois les diables insufflent ces suggestions à l'homme pour le perturber dans sa religion, pour le déranger, tout comme le font les gens qui voient un passant et qui se moquent de lui. Donc ils jouent avec lui. وَمَعْنَا هَذَا أَنَّكَ إِذَا قَبِلْتَ لِهَذِهِ الْوَسَاوِسِ وَطَبَّقْتَهَا قَبِلْتَ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ الشَّيْطَانِ. Cela veut dire que si tu as accepté ces insufflations, cela revient à dire que tu as accepté d'être la victime du shaytan. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْوَسَاوِسِ فَكَيْفَ دَفَعُوهَا وَمَاذَا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ensuite, sachez que les compagnons du prophète radiallahu anhum ont été touchés par cette maladie. Comment est-ce qu'ils se sont comportés et vers quoi les a orientés le prophète sallallahu alayhi wa sallam? An Abi Huraira radiallahu anhu, قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نجد ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قَالَ فَذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Les compagnons sont venus et ont dit: « Ô messager d'Allah, il nous traverse l'esprit des pensées, on n'aimerait jamais en parler, même si on nous donnait en échange tout ce bas monde. » فَهُمْ تَأْتِيهِمْ الْوَسَاوِسِ. Ces pensées traversent leur esprit. Ils détestent tellement ces pensées que même si on leur donnait tout ce bas monde, toute cette dunya, ils n'aimeraient pas en parler. Donc ils ont été touchés par ces wasawis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أَوَقَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ وَجَدْتُمْ هَذِهِ الْكَرَاهِيَّةِ لِهَذِهِ الْوَسَاوِسِ حَتَّى جَعَلَتْكُمْ لَا تُحِبُّونَ أَن تَتَكَلَّمُوا بِهَا. قَالُوا نَعَمْ نَكْرَهُ هَذَا. قال فكراهيتكم لهذه الوساوس صريح الإيمان أي فلا تلتفتوا إلى الوساوس فكونكم تكرهونها إيمان يجازيكم به الله خيرا يوم القيامة. إذن لست بآثم بهذه الوساوس ما دمت لا تعمل بها. Prophète عليه الصلاة والسلام leur a dit: avez-vous vraiment trouvé ça, c'est-à-dire avez-vous vraiment trouvé de l'aversion pour ces wasawis? Les compagnons ont dit oui au messager d'Allah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: alors voici la foi franche, voici la véritable foi. Qu'est-ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que tu n'es pas dans le péché à cause de ces idées. Tu es dans le péché si tu les suis et si tu les mets en pratique. Par contre, si tu détestes ces idées, cela montre la sincérité que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es même récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الوساوس تدخل صدر الانسان من غير استئذان فكيف يكون آثما. Comment l'homme va-t-il être dans le péché alors que ce n'est pas de sa faute? Il va être dans le péché s'il les met en pratique et s'il suit ce que lui dicte shaytan. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: ô messager d'Allah, l'un d'entre nous a des pensées, il préférera être
حمامة حمامة ها من كولوم بارك الله فيك ما شاء الله سعيد موجود. Donc il dit l'un d'entre nous préférerait être une colombe que d'en parler. أنتم تعلمون أن الله كرم بني آدم على غيره من الخلق. Vous savez qu'Allah عز وجل a honoré Banu Adam, les enfants d'Adam. On en fait une des meilleures créatures. Le compagnon dit, on a des pensées qui traversent notre esprit, on préférerait être une colombe, cet oiseau qui est connu, que de parler de ses pensées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar trois fois de suite. Ensuite il dit loué soit Allah, celui qui a fait de la ruse du shaitan une simple waswasa et rien d'autre. Une simple insufflation et rien d'autre. Donc nous disons à tous ces gens-là qui sont touchés par le wasawis, que ce soit les gens qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ou bien les gens qui recommencent sans cesse leur prière, ou bien les gens qui recommencent les ablutions, ou les gens qui doutent de tout le monde, nous leur disons Alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila alwaswasa fala taltafit ila alwaswasa. Nous disons ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, loué soit Allah qui a fait de la ruse de shaitan une simple insufflation et rien d'autre. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit ay حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهية العظيمة له ودفعه عن القلب هو صريح الإيمان كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد. ابن تيمية رحمه الله dit l'arrivée de ces wasawis dans l'esprit de l'âme avec l'aversion qu'il éprouve pour celle-ci et le fait qu'il les repousse de son cœur, c'est la foi franche. Et il sera en cela à l'image du guerrier qui combat son ennemi jusqu'à le vaincre. Cela fait partie du plus grand combat. Donc si tu repousses Al-Wasawis, à ce moment-là, tu es loué par Allah. Tu es aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man wajada min hadha al-wiswas, falyakul amanna billah » ورسوله ثلاثة فإن ذلك يذهب عنه. Il dit celui qui trouve quoi que ce soit de ses pensées dans son esprit qu'il dise. Et donc maintenant nous allons parler du remède ilaj al-wasawis, qu'il dise j'ai foi en Allah et en son messager, j'ai foi en Allah et en son messager, j'ai foi en Allah et en son messager. Qu'il répète cela trois fois de suite, car ça va chasser ces idées qui traversent son esprit. Fa yukarrir hadha al-qawl ma'a i'tiqad ma yaqtadih. Fa yaqul u'minu billah wa yufakkiru fi al-iman billah 'azza wa jalla. Yufakkiru fi anna Allah huwa kamilun fi asma'ihi wa sifatihi wa annahu yarhamu 'ibada wa annahu yarzuqu 'ibada wa yukrimuhum wa yahdihim wa yuwaffiquhum ويهديهم بعد الضلالة ويعلمهم بعد الجهالة فإذا فكر في هذه الأمور ذهبت عنه الوساوس بإذن الله تعالى ثم يقول آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن أن سنته حق وأن سنته جاءت بالوضوء ثلاثا لا أكثر فإذا كان يؤمن برسالته وبأنه نبي الله يؤمن بأن سنته حق فيترك الوساوس فلا يزيد على ما شرع صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك حتى يذهب عنه ويذهب عنه الوساوس. Donc pourquoi il doit répéter ces paroles? Il doit répéter ces paroles et méditer leur sens. Car s'il dit j'ai foi en Allah, il va dire j'ai foi en Allah, il va croire en ce que cela implique. Il a foi en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il a foi qu'Allah est capable de tout. Donc, il n'est pas trop tard, il peut se corriger. Il a foi en Allah, Allah Azza wa Jal guide ses serviteurs. Il a foi en Allah, Allah enseigne à ses serviteurs ce qu'ils ne savent pas. Allah accorde la facilité à ses serviteurs. Donc, s'il a foi en Allah, pourquoi avoir ses wasawis? Il va donc les chasser. Ensuite, il dit, j'ai foi au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il a foi au prophète, alayhi salatu wa sallam, il a foi en sa sunnah. Donc, il croit que la sunnah est parfaite. Il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, alors il n'a pas besoin de rajouter de takbir,
Il n'a pas besoin de faire l'wudu plus que trois fois. Il n'a pas besoin de douter des gens. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Donc, croire en Allah et en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un des meilleurs remèdes. Ensuite, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: Le diable vient à l'un d'entre vous et dit: Qui est-ce qui a créé telle chose? Qui est-ce qui a créé telle chose? Jusqu'à ce qu'ils lui disent « Qui est-ce qui a créé ton Seigneur ?» Si l'un d'entre vous est touché par cela, si cela a atteint l'un d'entre vous, qu'il dise alors « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et qu'il délaisse ses pensées. Donc quand tu as ces pensées, tu les chasses en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim »« Thumma tadkurullaha subhanahu wa ta'ala » et puis tu mentionnes le rappel d'Allah « Azza wa Jal » L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a donné un résumé bref qui a rassemblé la plupart des remèdes cités dans les hadiths. L'akhasa al-hadith allati ja'at fi 'ilaj al-wasawis. Il dit rahimahullah wa khulasatuha an taqul amantu billahi wa rusulihi Allahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يدفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. الألباني رحمه الله a dit: Le remède se résume par ces points-là. Premièrement, il doit dire: J'ai foi en Allah et en ses messagers. Il ne doit pas se contenter de prononcer la parole. Il doit prononcer cette parole et réfléchir à son sens. J'ai foi en Allah et en ses messagers. Allah est l'unique. Allahu ahad. Ahadun fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa akhbarihi wa wa'dihi wa quwwatihi wa wahdaniyatihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Allah est unique, c'est-à-dire il est unique dans ses noms, dans ses attributs, dans sa perfection. Subhanahu wa ta'ala. Allahu samad, wa samad huwa alladhi yarji'u jami'u an-nas ilayhi liqada'i hawa'ijihim. Allah est le samad, celui vers lequel reviennent tous les gens pour leurs besoins. Lam yalid, il n'a pas enfanté, wa lam yulad, il ne l'a pas été. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nul ne lui a été égal. Ensuite, il fait sortir de l'air de sa bouche trois fois sur sa gauche. Il fait sortir de l'air de sa bouche trois fois sur sa gauche sans salive. Bidouni l'irq. Fa yukhriju ar-rih. Il fait sortir de l'air trois fois de sa bouche. Ensuite, il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim et il chasse ses idées de son esprit. Et il pense à autre chose et alors inshallah ta'ala Allah azza wa jal le guérira de ce mal. وختاما نقول لكل من أصيب بالوساوس يا عبد الله خفف على نفسك وارفق بها ما شرع الله عز وجل لك المشقة هذه. Nous disons pour terminer à tous ceux qui sont touchés par ces idées ou ces pensées qui viennent de Shaitan, ô serviteur d'Allah, crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand on te conseille d'arrêter de suivre ces wasawis, mets en pratique le conseil. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que tu souffres. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu t'imposer de jeûne. Il n'a pas voulu que tu recommences les ablutions 50 fois. Il n'a pas voulu que tu sois convaincu que tu es habité par un diable parmi les diables, à un point à en souffrir, jusqu'à croire que Allah ne te pardonnera pas. Allah Azza wa Jal n'a pas voulu de cela de toi. On te pose une seule question. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Nous disons à ces personnes, nous leur posons une seule question. Tous ces actes que tu fais, que
que ce soit dans la croyance, les doutes que tu as, ou bien dans ta prière, ou bien dans tes adorations, ou le doute que tu as sur les gens, ou bien le fait que tu es convaincu que tu es habité par un djinn alors que tu n'as rien de tout ça, le fait que tu es convaincu qu'Allah ne te pardonnera pas, le fait que tu sois convaincu que tu es perdu, et peut-être même que ça te donne envie de te donner fin ou de donner fin à ta vie. Toutes ces choses-là, d'où elles viennent? D'où elles viennent, subhanallah? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de ces choses-là? Est-ce que tu connais le bien plus qu'Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si la réponse est oui, nous te demandons la preuve. Où est-ce qu'Allah t'a demandé de mettre en pratique ces idées? Si la réponse est non, tu n'as pas le droit de suivre ces idées. Et à ce moment-là, tu seras blâmable. À ce moment-là, tu seras dans le péché. Puis on termine avec une seule question que l'on te pose. Allah Azza wa Jalla qala fi kitabihi al-karim, yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah Azza wa Jalla veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Il dit aussi: ma ja'ala Allah 'alaykum fi ad-din min haraj. Allah ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Hadhihi al-a'mal anta بالنسبه لك حرج مشقه او يسر لا شك انه سيقول مشقه. On nous dit, tous ces actes que tu fais, toutes ces pensées qui traversent ton esprit, est-ce qu'elles sont une contrainte, est-ce qu'elles sont des choses difficiles, ou bien tu les aimes, ce sont des choses faciles? Sans aucun doute, cette personne répondra, ce sont des choses difficiles. Nous disons donc, ما جعل الله عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah ne vous a pas imposé de contraintes dans la religion. Allah veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. Donc Allah ne veut pas de toi tout cela. Fattaqullah azza wa jal, ya ibadallah. Et craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana lil'amal salih wa yaj'alana ma nasma'uhu wa naquluhu yanfa'una yawma nalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashkurukum ala sabrikum وحسن استماعكم وأشكر القائمين على هذا المسجد والذين استدعونا بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.